Maintenant, on va accueillir un couple épatant qui joue sur la scène d'Edouard VII, une pièce fort drôle. Il s'appelle « Comme s'il en pleuvait ». Le thème de la pièce de Sébastien Thierry, mise en scène par Bernard Murat, c'est l'argent. Vous allez voir de quoi il s'agit. On va accueillir tout de suite Pierre Arditi et Evelyne Buil. Bonjour, je suis content de vous revoir. Moi aussi. Est-ce que tu sais que j'ai tourné avec ces jeunes femmes? Tu sais pas ça, Pierre? Tu as tourné avec qui? Oui, j'ai tourné avec Evelyne Buil. Oui, il y a très longtemps. Très bien. Oui. Et tu as réussi à t'en sortir vivant? T'as du bol. J'ai tourné une journée dans un film de Nina Compagnie qui s'appelait Comme sur des roulettes. Tu sais pas ça, hein? C'est ma carrière d'acteur, toi. Je sais que... Parce que ce qu'Arthur appellerait une casserole. Oh, une casserole. Non, c'était bien. C'est sympa. Non, je vous disais, oh, monsieur Drucker, je vous admire tellement. J'étais terrorisé, surtout. Alors, moi, je suis venu vous voir lundi. Oui, et apparemment, tu ne t'en es pas remis non plus. Non, mais c'est vrai, je me suis beaucoup marré. Alors, bon. Je vais donner la parole à Evelyne Buil. Vous êtes époustouflant, Pierre. On le sait, Pierre, il est bon tout le temps. Mais la révélation, je crois, de la pièce... Ça ne t'ennuie pas si je dis qu'Evelyne explose dans cette pièce. Explose. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Oui. De drôlerie. Ah bah oui, mais quel partenaire j'ai. C'est vrai que papy est là. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais tu as quel âge maintenant? Ça fait J'étais sûr que tu me dirais ça. Ça nous ferait bien 70 maintenant, tu les as. Je suis ton aîné. Oui, tu es mon aîné, Bon. Oui, alors heureusement, on a la caméra qui lift, là. Oui, on a la caméra qui lift, ça va, c'est bon là. Alors, c'est un sujet très très drôle, qui est un sujet important, l'argent. L'argent qu'on découvre par hasard, et qui va arriver en masse dans un appartement sans qu'on l'ait souhaité. Alors, Evelyne, lui, il rentre le premier, vous n'êtes pas là, et il trouve sur le canapé un billet de 100 euros. Oui. D'où vient ce billet de 100 euros? Et tout part de là. Tout part de là, c'est la grande question. Au départ, ça lui pose plutôt un problème à lui, mais elle, il s'en fiche un peu. Et puis, 200 voilà, euros, 300 euros, alors après, 20 000 ça euros. Et chaque jour, l'argent tombe du ciel ou des placards. À un moment donné, il tombe de telles masses de fric que forcément, ça change le comportement. Parce que même 1 000 euros, 2 000, 3 000, bon, tout le monde aurait bien envie d'avoir ça comme ça en rab pour sa fin de mois. Mais à partir du moment où ça devient des dizaines et des dizaines de millions d'euros, on n'est plus dans le rationnel. Ça provoque très vite une tension entre les deux. Bah, oui. Oui, c'est révélateur. C'est révélateur, mais ce n'est pas, une pièce à thèse. Hein. Sébastien Thierry, c'est un auteur de comédie, alors il est... Il est même dans le baroque ou dans la folie. Donc, à un moment donné, on atteint des dimensions dont nous sommes sans doute tous capables. Mais, alors, des questions. L'ont-ils mérité, cet argent? Ah, bah voilà, la grande question. C'est des gens qui ont des revenus relativement modestes. Bon, on roule enfin, pas modeste, sur l'os. Normaux, ils font partie de la classe moyenne. Oui, voilà. Vous êtes enseignant. Elle est directrice d'école. C'est pas des miséreux. Ils ont une 308 diesel, un 70 mètres carrés dans le 15e et deux semaines de vacances à la Grande Motte. Et on a le droit d'avoir ça. Oui, très bien. Et à un moment donné, ils sont donc de gauche. Et le personnage joué par Pierre Arditi se dit, mais après tout, si je m'éclatais avec ça... Et lui, il commence à délirer. Il se dit, pourquoi j'aurais pas un yacht avec des escorts? Parce que ça fait 40 ans qu'il en rêve. À un moment donné, il bascule. Il bascule dans quelque chose d'autre. Il a beau avoir des convictions, à un moment donné, ces fameuses convictions sont finalement battues en brèche, ou elles sont laissées pour compte, parce que la masse d'argent est telle qu'à un moment donné... Ça désidentifie tout ce à quoi il croit. Mais quand il dit on peut être socialiste et se faire plaisir, toute la salle rit. Hein. Être de gauche, c'est pas forcément porter un pull qui gratte et bouffer du pâté de foie en boîte. Voilà, on peut être socialiste et se faire plaisir. Voilà, on n'est pas condamné sous prétexte qu'on a des valeurs humaines, comme un con à bouffer de la merde. Et vous, son délire vous étonne, mais t'es complètement fou. Oui, mais oui, c'est un peu le clown blanc. Et alors, elle représente la raison, le mérite, la culpabilité face à l'argent en trop grande quantité. Bon, et elle est effarée de voir que son mari bascule et de découvrir quelqu'un qu'elle ne soupçonnait pas. Mais il ne faut pas faire porter à cette pièce un poids qu'elle ne veut pas avoir. Bien sûr. La caractéristique de Sébastien Thierry, c'est qu'il prend des choses qui ont l'air anodines, il les tord et il en fait des choses qui ne sont plus anodines mais qui deviennent folles. Oui. Bon, c'était comme ça dans Cochon d'Inde, c'était comme ça dans Monsieur Schmitt, là aussi c'est comme ça. Mais... Le seul truc, c'est que là, il s'attaque à l'argent. Le fric, le blé, le flouze. Hein, la tout vérité, ce pourquoi, d'une certaine manière, on vit bien ou on vit mal. Et à un moment donné,
Au fond, ce que la pièce dit de plus important, c'est qu'à un moment donné, le cancer, c'est pas forcément le fric, c'est les hommes et ce qu'ils font avec. Oui, oui, oui. C'est plutôt ça. Mais c'est pas une pièce philosophique. On est dans une comédie, qui, tu l'as vu, qui est complètement déjantée. Donc les gens se marrent à mort, et à un moment donné, ce personnage qui déboulonne tout ce à quoi il croit, parce qu'il ne peut pas résister à ça, on peut parfaitement s'identifier à lui, parce que si tout d'un coup, par les plafonds de nos appartements, il tombait des centaines de millions d'euros, je me demande vraiment ce qu'on ferait. C'est comme les gens qui ont dit, pendant la guerre de 40, j'aurais été résistant. Eh ben, moi, je demande à voir. Je sais, il y en a eu très peu des résistants. Mais oui, c'est de l'autre. Et c'est pas un hasard. Oui. C'était très compliqué. Résister à des centaines et des centaines de millions d'euros, c'est pas si simple que ça. On voit bien que quand les gens gagnent au loto, c'est pas si simple. Ça a l'air d'être sympa. Et puis, à un moment donné, ça peut devenir une punition. Ça devient une perversion. Ils se gourrent. Ils placent du fric. Ils ont peur. Ils deviennent plus eux-mêmes. Donc, tout ça, voilà, c'est brassé à travers la comédie, et c'est d'abord ça qu'il faut voir. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le public peut s'identifier à l'un ou l'autre des personnages. Moi, j'ai déjà reçu du courrier de certaines femmes me disant « Je me suis reconnue dans certaines répliques de Laurence ». Ça, ça m'a fait plaisir. Ça alors, m'a amusé. Voilà, comme quoi, les directrices d'école de maternelle sont plus nombreuses qu'on ne pense. Il y a deux autres personnages. Il y a Véronique Boulanger, Madame Erika Sousse dans la vie, qui est irrésistible dans le rôle d'une femme de ménage. Qui est persuadée qu'on va l'accuser, elle, d'avoir fait un hold-up ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a un voisin, bien déjanté, qui s'appelle Gilles Gaston Dreyfus, c'est l'acteur, qui lui a été cambriolé à l'étage au-dessus. Donc tout ça a fait une confusion totale, qui est une comédie irrésistible, et vous en donnez un cœur joie. Hein. Oui, il y a du fédot un peu par là. Alors, vous vous connaissez bien tous les deux, vous avez joué ensemble. Arrête de parler de passé comme ça, c'est pas du passé. Vous avez joué L'éloignement. Le futur, il est dans 10 minutes. Ils étaient au théâtre ensemble, les Bellon. Absolument, on a joué une L'éloignement de Lolé Bellon, 1987. C'était moins drôle, mais c'était... Ça faisait rire aussi, quand même, c'était une belle. Moi, j'ai connu un type qui a trouvé dans les doubles murs de son appartement quelqu'un qui, après la guerre, qui avait planqué des lingots d'or dans un double mur. C'est donc cette histoire-là, Des lingots d'or. Il a trouvé des lingots d'or et il est devenu un peu fou. Nous que ça arriverait. Hein, moi. Alors Pierre joue donc comme s'il en pleuvait, ça c'est le soir, à 21h et à 19h. Alors ça c'est vraiment. Pour 60 représentations, ça va commencer bientôt, une pièce que tu as déjà jouée, de Grimbert, avec Catherine Yégel. Oui. Moi je crois pas. Oui, pourquoi? C'est ça que tu vas me dire. Pourquoi ça? Pourquoi les deux pièces? Pourquoi? Mais pour pourquoi ça paraît hallucinant? Mais non, c'est pas hallucinant. À la comédie française, ils le font couramment. C'est les troupes. Non, mais jouer deux pièces comme ça qui sont qui n'ont rien à voir. Deux pièces fortes en plus. Oui, mais parce que c'est pas à la mode. Parce que, la mode aujourd'hui, c'est d'abord de pas trop se crever, et ensuite, et surtout d'ailleurs, c'est de. D'oublier complètement que le temps, malheureusement, est compté. Et le mien est de plus en plus compté. Quand je regarde ce type que j'ai connu comme ça, ou pratiquement comme ça, qui est maintenant un peu plus mûr, ça me fait penser que mon temps à moi est compté. Et donc le dernier quart de ma vie va payer cher pour les trois autres quarts qui m'ont filé entre les pattes sans même que je m'en aperçoive. Donc, comme il me reste de moins en moins de temps, maintenant, peut-être qu'il faut que je joue deux, voire peut-être même trois pièces dans la journée. Comme ça, j'aurai l'impression qu'il me reste trois fois ma vie à vivre au lieu d'un tout petit morceau. Alors, il y a quelqu'un qui était aussi un ogre de théâtre, qui était Pierre Mondy. Il nous a quittés il y a quelques jours. Je ne peux pas vous recevoir tous les trois sans voir la photo de Pierrot. Mmh. Voilà, Pierre Mondy. Il nous a quittés. Il avait 87 ans. Des rendez-vous de juillet de Becker jusqu'à... Cordier, juge et flic, vous imaginez ce qu'il a fait. Ouais. Et quel metteur en scène. Moi, il m'a mis en scène. Dans 3 lits pour 8 d'Alain Ekborn. Et il faut se dire, puisqu'on parle de Pierrot Mondy, qu'il ne faudra. C'est très bien Cordier, c'est très bien la 7e compagnie. Ne réduisons pas cet homme-là seulement à ces choses-là. Il est austérilise, la belle danse. Il a fait des rôles au cinéma absolument magnifiques, dont un que peu de gens ont vu, qui s'appelle Pierre et Paul, qui est un film de René Alliot. C'est un très grand acteur, c'était un grand metteur en scène et un grand directeur d'acteurs. Il traverse son temps et c'est un acteur généraliste, c'est-à-dire ce que je m'efforce de faire moi-même. Il est passé dans tous les styles, de toutes les manières, sans aucune case qui l'ont réduit. Et je signale que la cage aux folles, Serrault, Poiret, c'est lui qui les a mis en scène. Pour en terminer avec l'actualité de Pierre Arditi, il y a le dernier René. Oui. Vous n'avez encore rien vu. On dit un tout petit mot du sujet et on va voir la bande-annonce. Le film est tiré de deux textes de Jean Anouilh, l'un qui s'appelle Eurydice et l'autre Cher Antoine. C'est la vie, l'amour, la mort et tout ça filmé par un jeune homme de 90 ans qui est
incroyablement gonflé et qui filme comme aucun des jeunes gens d'aujourd'hui ne serait capable de filmer. Alors, c'est un auteur dramatique qui vient de mourir, joué par Denis Podalydès. Et en guise de testament, il a laissé une vidéo qui s'adresse à tous ces comédiens qui ont joué sa pièce maîtresse qu'est Eurydice. Voici la distribution. Regardez. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer sous les étoiles. Voilà le dernier à l'arrêté. Vous n'avez encore rien vu.